êtes là. Eh ben bonjour à toutes et tous. Heureux de vous accueillir à la maison. Eh oui, en tant que bon confiné, de plus isolé, je suis heureux de vous accueillir chez nous pour m'adresser à vous d'une manière un petit peu particulière cette année. En effet, année de merde, on peut le dire. Voilà, donc jusqu'au bout, on nous prive de beaucoup de choses. En tout cas, de se voir, de se rassembler. Et puis donc voilà, je voulais m'adresser à vous d'une manière un peu particulière, inhabituelle, tout à fait. Exercice de style compliqué pour moi à réaliser. J'espère que cette première sera une dernière. Voilà, et on va y aller. On va y aller. Et puis comme on dit chez nous, hein, on va pas faire des égos, une pas. Et ben modo, allez. Rebonjour, me revoilà. Le temps de changer de tenue pour partager ensemble un petit moment un peu plus solennel en cette période de Sainte-Barbe. Mes chers aînés, mes chers collègues actifs, mes chers JSP, décidément, cette année 2020 est très particulière. Elle nous conduit et nous oblige jusqu'au bout à bousculer nos codes, nos habitudes prises jusque-là. Certainement pour mieux nous permettre de mieux repartir. Renaître à un moment donné pour continuer, espérons-le, à vivre normalement. Notre credo à toutes et tous, éradiquer cette crise sanitaire que nous subissons toutes et tous de plein fouet au quotidien. Cette crise qui fait des ravages au sein de l'humanité de manière générale. Cette crise qui tue nos aînés par milliers. Cette crise qui maltraite nos soignants. Malgré tout ça, nous devons nous montrer forts et intransigeants. Et ce, fort de nos valeurs, de notre ADN, d'aidant, de bienveillant. Nous devons nous le prouver encore plus chaque jour, chaque heure, chaque minute qui passe en menant le combat contre ce putain de virus. Désolé, je devais lâcher ce mot. Je reste persuadé que tous ensemble nous y arriverons. Pour l'heure, il faut le faire avec, se protéger soi-même, pour protéger nos proches, pour protéger notre environnement social professionnel, afin de créer à nouveau une chaîne solidaire et saine au sein de notre société. Tout cela passe forcément par chacun de nous, afin de nous permettre, et je l'espère vivement, retrouver notre vie d'avant, de vivre tout simplement. Alors Sainte-Barbe pourrait-elle faire quelque chose pour nous face à ça? Pour le coup, j'en doute. Mes propres croyances ont ses limites. Mais en cette période de l'année durant laquelle nous avions l'habitude de nous rassembler pour la célébrer, la fêter, cela pourrait être une petite lueur d'espoir. Bon, je vous l'accorde. Elle reste toute petite, voire infime. Mais nos croyances, quelles qu'elles soient, ne nous permettent-elles pas d'avancer en gardant la foi? Ce préambule, en entame de mon propos, me semblait nécessaire. Face à cette situation exceptionnelle que nous connaissons. Ce propos qui vous est entièrement et exclusivement dédié, vous, sapeurs-pompiers, du tout statut confondu, professionnels, volontaires, jeunes sapeurs-pompiers, anciens, du centre de secours des Viens Rives du Léman. Je ne pouvais pas rester muet tellement l'impact sur nos vies est fort, et particulièrement en vue de l'annulation des rassemblements pour fêter notre sainte patronne. En ce vendredi 4 décembre, donc, je me devais d'une part d'honorer Sainte-Barbe et d'autre part de vous rendre hommage pour tout le travail que vous accomplissez et également saluer votre engagement au quotidien pour assurer nos missions auprès des populations. 2020, année très particulière pour tout le monde. Mais que faut-il en retenir? Que faut-il évoquer? J'en évoquerai là simplement l'essentiel de la vie du centre et de notre environnement. 2020, une crise sanitaire hors norme, je disais. Crise qui a obligé le service à se réorganiser, à anticiper, tant bien que mal, en avançant à l'aveugle, à tâtons. Beaucoup de choses ont été dites dans les remises à ce sujet. Latence, attente, manque de décisions tranchées et claires, manque de matériel de protection, etc., etc., etc. Moi, je retiens que grâce à l'intelligence collective dont le service a bénéficié, l'impact a pu être modéré,
En effet, vous avez toutes et tous été à un moment force de proposition et ou acteur dans une démarche qualité improvisée en raison de l'ampleur mondiale et donc d'une forme de méconnaissance de ce qui nous touche de très près désormais. Je tiens donc à vous adresser mes plus vifs et plus sincères remerciements pour tout ce que vous avez apporté à notre collectif Evianais. J'en profite pour un remerciement appuyé à mon adjoint, le lieutenant Joël Lubin, qui a assuré l'intérim durant le premier confinement, durant la crise, le début de la crise. Voilà. On forme un binôme. La vie est faite de belles rencontres par moments. Et c'est une belle rencontre. 2020, une prise en compte du dossier des INC2, qui a abouti à l'établissement d'un tableau d'avancement des adjudants, est suivi de la nomination de 44 agents rétroactivement au 1er janvier. 2020, un grand turnover des sapeurs-pompiers professionnels à l'échelon départemental, jamais vu aux 10-14. Pour exemple, le centre de secours d'Évian du Léman, c'est 7 sapeurs-pompiers non officiers sur 19 concernés par de la mobilité d'adjudant, de sergent ou de caporal au 1er décembre. Merci donc à Benjamin, Michael, Joël, Romain, Julien, Dan et Alexandre qui nous quittent. Je salue et souhaite la bienvenue dans nos rangs à Jean-Claude et à Benoît. 2020, un volontariat toujours présent, solide, mais au pied d'argile. En effet, la ressource est fragile. Beaucoup de départs pour 5 recrues, à qui je souhaite la bienvenue. À Romain, Mégane, Mathieu, Gaël et Amandine. J'en profite pour saluer et remercier le lieutenant honoraire Jean-Henri Ruziconi, mieux connu sous le petit nom de Nano, qui a posé les bottes après 36 ans de service, ainsi qu'à l'adjudant honoraire Séverin Verstrat, qui en a fait de même au bout de 27 ans de bons et loyaux services. 2020, nos aînés privés de rencontres et de manifestations, nos JSP et leur encadrement qui ont dû s'adapter aux contraintes liées à la crise, et aussi surtout s'adapter à de nouveaux locaux, une nouvelle fois. Un immense merci donc à Patrick et à son équipe d'encadrants bénévoles pour leur travail. 2020, c'est la perte des locaux Beauchâton impactant le centre, l'amicale et les JSP donc. Je remercie la ville d'Évian-les-Bains qui, de par sa réactivité et son soutien, nous a permis de reloger les jeunes sapeurs-pompiers et l'amicale. Elle nous permet de bénéficier gracieusement de places de parking. 2020, un projet de construction du nouveau centre de secours qui avance et qui prend forme avec l'obtention du permis de construire récemment et sans doute le lancement des appels d'offres d'ici à début 2021. Ce projet exceptionnel, voire unique dans une vie de pompier, doit nous permettre de percevoir la lumière au bout du tunnel que nous traversons en ce moment. Projet rassembleur, consensuel et fédérateur par excellence. Projet que nous avons le plaisir et l'honneur de voir se construire et de s'apprêter à occuper pour bon nombre d'entre vous d'ici à 2023. Ceci est le fruit d'un héritage et d'un cheminement long et fastidieux parfois. Nous pourrons donc léguer cet héritage aux générations futures. Autant de bonnes raisons pour accueillir et suivre ce projet avec beaucoup de respect et d'attention. 2020, année de souffrance physique ou morale pour certains d'entre nous, courage et résilience sont notre force. Je pense tout particulièrement à Franck, qui accompagne avec son épouse et Olive, leur Benjamin, la maladie d'Avril, leur fille aînée de 7 ans, qui lutte contre une terrible maladie aujourd'hui. Je leur adresse beaucoup de force et de courage, force et courage dont ils font preuve depuis plus de 7 mois maintenant. Attention portée au nom du collectif que je représente, qui vous soutient et vous accompagne à sa façon. 2020, des nominations. Adjudant sapeur-pompier professionnel pour Benjamin Cuenet, Michael Bosque. Adjudant sapeur-pompier volontaire pour Christophe Cosentini et Michael Pasquier. Sergent sapeur-pompier volontaire pour Guillaume Bertin, Nicolo Scardi, Gaëtan Agnetti et Julien Maurice. Caporal sapeur-pompier volontaire pour Fabrice Albertazzi, Ducret Geoffroy et Valentin Moulineau. Première classe sapeur-pompier volontaire pour Noémie Darrocha, Cassandre Renaud et Clément Boja. 2020, c'est des promus, des médaillés.
à l'occasion de Sainte-Barbe. Félicitations donc pour la médaille pour 10 ans de service échelon bronze à Guillaume Barallon, Damien Darge, et à Christelle Nallet pour 30 ans de service et la médaille échelon or. 2020, c'est des élans professionnels. Sapeur-pompier non officier aux 614 pour Benjamin Wasselink et Michael Pau. À la brigade sapeur-pompier de Paris pour Clément Bouja. Dans la marine nationale, en tant que sous-marinier pour Neil Renfort. Et au bataillon marin des pompiers de Marseille pour Max Viola. 2020, c'est aussi la mutualisation des centres du pays d'Évian, actifs depuis le 1er septembre et qui fonctionnent désormais avec 22 collaborants au sein d'une équipe pool. Je remercie Franck et Christophe d'avoir facilité cette mise en place. Nous sommes précurseurs sur le groupement du Chablais et donc force de proposition, en vue de démocratiser ce fonctionnement qui représente l'avenir de nos territoires. 2020, année qui se termine, enfin. Et c'est tant mieux. Qu'elle laisse sa place pour voir si 2021 sera meilleur. Merci donc à vous toutes et à vous tous qui composez ce collectif, en tant qu'actifs anciens ou jeunes sapeurs-pompiers. Merci à l'amicale du centre pour son engagement pris au vu de l'aménagement des nouveaux locaux du centre. J'espère malgré tout que nous pourrons nous retrouver prochainement rassemblés. J'espère aussi que vous pourrez jouir de fêtes de fin d'année dignes avec vos proches. Prenez soin de vous afin de pouvoir protéger ceux qui vous aimez et qui vous aiment. Pensez sincère pour vos conjointes et enfants qui supportent et encouragent votre engagement. Félicitations à l'ensemble des promus, des médaillés. Que Sainte-Barbe nous protège encore et encore. Et comme à mon habitude, je terminerai par une citation qui parle d'elle-même dans ce contexte actuel. Citation de M. Nelson Mandela. Cela semble toujours impossible jusqu'à ce que l'on fasse. En attendant, restez masqués et bonne fête de Sainte-Barbe en ce 4 décembre. Remerciements à mon vidéaste, Roland, pour sa participation et son soutien. Bonne continuation à toutes et à tous. Spaces, what are we living for? Abandoned places, I guess we know the score. On and on, does anybody know what we are looking for? Another hero, another mindless crime behind the curtain. Show must go!